ici Priscilla. Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ses musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de bomba. Je ne sais plus comment faire. Elle est si forte, elle se brise. Elle était fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix. Oui, elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en fleurs. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Alors, je suis très curieux de savoir comment tu as découvert Claude François qui t'a fait connaître Clo-Clo.
Mais en fait, chez moi, c'est une tradition, on fait des karaokés avec des amis. Donc, il n'y avait pas un seul karaoké sans Claude François. Donc moi, je chantais comme d'habitude, je chantais Alexandre et Alexandra. Tu chantais avant, quand tu étais petite. Oui, oui, c'est sûr. Et maintenant que tu es grande, tu chantes Magnolia Forever, c'est ça? Voilà. Est-ce que ta carrière se passe bien? Est-ce que tu as envie de faire une carrière comme celle de Claude François? Ah ouais, j'adorerais, oui. C'est pas difficile de chanter et de danser en même temps? Non, non, pour moi, non. Si tu savais, pour moi, c'est terrible. Ah là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vas faire dans les semaines qui vont venir? Eh ben, je sais pas. Tu sais pas, mais tu vas continuer ta brillante carrière, bien en sûr. Tout cas. Et on a été très très heureux de t'accueillir dans cette émission consacrée au 25 grand tube de Claude François. Claude François qui raconte, Claude François qui nous raconte ce document exclusif qui nous permet de mieux le connaître.